27 mai 2016, avec le midi. On se tient une réunion très importante entre le bureau de l'association des moyens d'Italie, qui est une section du bureau du CIMI, du collectif des moyens d'Italie, et des investisseurs, des partenaires, et essentiellement avec le président du comité des sages, M. Michel Mouradé. La réunion va se tenir tout à l'heure dans cette salle et vous saurez par la suite quelles sont les décisions qui seront prises et quelle est surtout la présence de ce groupe d'investisseurs qui sont parmi nous. Je vous remercie. Monsieur Michel Mouradé, qui est tous les jours au four au moulin pour la réussite de la chose ouais. Subite, c'est d'abord le que je connais personnellement, toute sa délégation, je vous dis bonsoir. Et vraiment merci beaucoup de votre présence ici. Je remercierai encore aussi monsieur Achi Serge Sonan, que j'ai invité personnellement, qui est le président de l'association culturelle Mosaïque. C'est très important, il faut le signifier, parce que c'est le monsieur qui expose tout ce qui est culture ouais ici. Je le présente, c'est lui, monsieur Serge Achi Sonan. Donc, pour être plus bref, nous recevons aussi, grand merci d'abord, un très grand merci à nos chers invités, à nos chers partenaires, à nos chers investisseurs. Je vous dis bonsoir et bonne arrivée. Merci. Vous êtes plus... Un grand bonsoir aussi à monsieur de côté que vous... Peut-être que vous ne le connaissez pas, moi je le connais depuis un bon moment. Angelo, il est du Roche Milia, il fait tout pour nous ici. Ah oui, il est vraiment un grand homme. Merci beaucoup, Angelo, pour t'avoir invité. Monsieur le président, monsieur Michel, je te donne la parole. Nous, mes frères, mes soeurs, tout le bureau qui est avec moi aujourd'hui, nous vous écoutons. Nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir. Ce dont vous êtes là, on a hâte de vous entendre, que ça fasse vraiment ça nous fasse plaisir et nous allons pour la parole. De ce groupe de personnes que notre président a choisi de pouvoir faire le travail et qu'il attend. Et je suis vraiment très content parce que, quelque part, il n'y a pas eu d'égoïstes masculins. Il y a eu des femmes qui sont représentées dans ce bureau. Et c'est pour moi une très grande satisfaction. Alors, je souhaite bonne chance à cette équipe qui a le devoir de nous porter sur les routes des grands paradis. Parce que j'ai comme l'impression qu'à l'horizon, il y a ouverture du paradis. Je vous remercie. Écoutez. Donc je vous salue, chers frères et sœurs,
Pour ceux qui me parlent pour la première fois, je suis un ancien web de la Postale. J'étais déjà aussi avec des anciens comme les Samuel et Madame Anoui il y a plus de 20 ans. Et donc c'est comme ça aujourd'hui, bon, on est restés ensemble, nous sommes très amis. Bon, j'ai été toujours intéressé par la chose de mai, parce que de père de mai. Et partout où j'ai été, bon, j'ai été toujours membre de cette organisation, notamment pour porter du bien dans le social. Et donc c'est comme ça que par le passé, j'ai eu à travailler en Toscane et à porter pas mal de situations possibles dans chez moi. Donc aujourd'hui, si je vois un peu les ouais qui s'organisent pour mieux s'orienter, pour des raisons qui nous sommes, qui ont été, pour des choses qui sont passées chez nous, je suis joyeux parce que quelque part on a eu un malheur et cela nous a permis de nous orienter. Alors, je suis arrivé avec le message de la présidente et du doyen des communes de la Toscane. Et bon, je vais préparer pas mal de choses, mais je vais me résumer. Il faut résumer. C'est ton temps aussi. C'est temps, voilà, qui va prendre le temps. Bon, alors, les prises de contact qu'on a eues avec l'existence des WER, comment c'est pas le CIWIT, notamment avec les Michel et tout, qui ont invité les WER de la Toscana, et c'est avec que j'ai pris plusieurs contacts, notamment ces porteurs de projets, où j'ai été plusieurs fois par an. Et donc aujourd'hui, je suis venu à l'invitation de mes frères de Région Média, qui voulaient saluer au passage le jeune frère Raoul, qui est chef de gouvernement et au grand communicant avec la Toscana dont je représente. Je suis en effet le secrétaire général de la Sovetos, c'est-à-dire l'association de près la Toscane. Alors, on a rédigé ensemble une petite lettre que je ne vais pas détailler, dans ce intitulé. Alors, on s'adresse à nos frères et sœurs, et il est écrit, chers frères et sœurs de l'association Atebani, je vous salue au nom de la Sovetos, et qui est l'association de la Toscana. La présidente Stéphanie Netti, qui est la présidente des WER. Là-bas, il n'y a pas de mosaïque en région Toscana. Bien sûr, qui couvre tout le monde, mais n'empêche qu'il y a des associations de Fabouli. Comme on dit, l'article numéro 7 de la Constitution italienne, chacun est libre de s'organiser, l'article numéro 7 et 8. Donc, c'est comme ça que nous avons fait la chose. En Toscana, la majorité, c'est les WER du Nord, et donc on a pris une WER du Sud. Stéphane, il a dit qu'il y avait qu'on appelle le WER du Sud, Zoy, Sud, et Kouya qui veut dire Nord. Donc, je vous dis que depuis l'Antiquité, nos parents n'ont pas étudié, mais ils connaissent la géographie. Donc, voilà. Alors, donc, dans cette intervention, on salue d'abord l'invitation et il vous envoie un remerciement pour ce que, une reconnaissance et remerciement pour ce que vous avez manifesté la dernière fois, le 26 mars, en Toscana. Pour des raisons multiples et ne dépendent pas de leur bonne volonté, ils n'ont pas pu être là. La Stéphanie aujourd'hui a convaincu le type qu'on a reçu, elle a pu le conjoncter vite. Le doyen d'Estelle ne peut pas être là pour des raisons de famille. Et donc, ils vous saluent. Cet ensemble, donc, cet ensemble que nous avons souhaité un avenir cordial, c'est-à-dire que l'ensemble des guéris et des WER mis ensemble, ce que vous appelez la coordination. Et donc la Toscana, c'est avec un esprit de partage, de solidarité, d'amour, que ces éléments que vous avez pour vous entourer, c'est ce que nous saluons et c'est dans ça que nous souhaitons que vous demeuriez pour le meilleur devenir des WER, ici et partout, comme vous tout à l'heure dans les interventions. Cependant, ils veulent et ils voudraient partager avec vous
des valeurs que vous connaissez déjà, mais ces valeurs qui les tiennent à cœur, qui est l'entente dans l'unité, l'union dans la compréhension et surtout le pardon et la solidarité. Et c'est ce que le président, sans l'avoir écouté auparavant, Jean-Jacques Twitté disait tout à l'heure qu'il tendait la main à ceux qui étaient encore en antenne, qui sont dans la masse. Et c'est à propos de cela que je voudrais souligner la compréhension et l'unité et la solidarité. À quoi j'assiste en ce moment? J'ai participé à toutes les réunions du CIVIC. Et vous le savez bien, le CIVIC aujourd'hui est un gros serpent à deux têtes, version Michel Wadé et version Brigitte. Ainsi donc, l'unique unité qui était là, c'était les Roumains d'Italie. Mais comme vous le savez bien, aujourd'hui, je viens d'entendre le président de tout à l'heure qui portait reconnaissance à tous ceux qui l'avaient élu. Et en ce jour du 19 mars, et quelques temps après, nous on était à Bologna, nous étions aussi aux élections de notre président Robé. Et donc, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de l'union, de la solidarité et de la compréhension pour ne pas que nous nous marchions sur les pieds pour les mêmes projets. Car tout à l'heure, les projets que je viens d'entendre, c'est des projets de grande valeur, des projets qui nous unissent. À partir du moment des projets qui sont des imaginations, qui sont source d'union pour le bien-être, pourquoi alors nous les êtres humains qui avons donc créé ces projets pour nous diviser? Donc c'est pour cela que c'est juste une proposition. Le président élu de Reggio Emilia et l'autre, son frère, Thor Roland, que vous savez, qui a déclaré qu'il s'est fait entourer par toutes les régions coupées, la région Péroune, la région du Canton Séville et la région du Canton Public Tao, qui a été élu par trois représentants. C'est donc le problème. Alors donc, que faut-il faire? Il n'y a rien de possible sur la terre. Alors, c'est juste ma proposition. Je vais qui est la présidente des WEP, elle a dit d'insister sur ce fait afin que nous trouvions un canal commun pour que nous puissions parler d'une seule voix. Car c'est d'une unité, c'est ensemble qu'on est fort. Que diront nos parents? Demain, en Côte d'Ivoire, le frère Jean-Jacques Twitté passe sur TV2, je suis le président des WEP, Thor Roland passe sur TV1, en Côte d'Ivoire, je suis le président des Robé. Alors, vous savez que nous ne sommes pas en majorité par rapport à nos frères Zoïnke, c'est-à-dire je les dirais. Mais alors, trouvons-nous que nous sommes des personnes bien organisées. Donc, on doit montrer que nous sommes unis et que chez les Ouais, que ce soit un Ouais du Nord, un Ouais du Soir, un Ouais de la Plaine, un Ouais du Sud, il n'y a pas d'organisation. Donc, c'est juste une proposition pour une coordination pour que nous puissions marcher ensemble. Car, pour finir, les divisions, les affrontements sont tout à fait doucement. Et que donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter les divisions. Quand on est fragilisé, on brûle ce qu'on appelle, la morale humaine. Alors, cher frère Jean-Jacques Twitté, en tant que la personne que je viens d'écouter, qui a été portée à la. Qui a été choisi comme premier citoyen de Roumanie d'Italie. Eh bien, tu as un autre jumeau qui a été citoyen, qui a été choisi aussi. Je vous demande, en tant qu'ancien Joe, Samuel, madame, je ne sais pas des trois anciens que je connais ici, Hector, de vous organiser et de trouver une solution à cela avant que nous partions dans ce projet qui sont importants. Comme je le disais tout à l'heure, Mon bon, quitte, il m'a des gens, oui. J'ai fini avec mon intervention. Ça, c'était le message personnel. Le secondaire, par ça, c'est le point 2 du résultat. Le point 2 de Monsieur le Président, l'organisation des Ouais, il y a quelques années en arrière, on a fait pas 18 à Abidjan. Moi, je cause avec Amoudi, le gouverneur d'Abidjan, comme je parle avec vous, par des associations, par des trucs comme ça. Donc, vous dites que les régions sont tellement autonomes. Vous avez vu tout à l'heure le cas de Benito.
Donc, je dis qu'on n'a pas besoin de venir dans une pour le faire. Mais si on veut aujourd'hui être ensemble, malgré la richesse de nos régions, c'est parce qu'on veut être un et unis. Donc, c'est aussi important. C'est aussi important pour parler d'une seule voix, pour le respect de nous-mêmes. Moi, c'était plus ce que je voulais atteindre. Donc, c'est ce qui concerne. Donc, on est prêt à le faire, si c'est possible. Parce qu'il n'y a rien de possible. D'accord. Donc, j'ai fini avec ça. Maintenant, la question dont il m'a parlé. Moi, personnellement, je n'ai pas été informé concernant les élections du 19 mars. Je n'ai pas été informé. Maintenant, concernant pourquoi je suis allé voter, je ne peux pas faire un procès de ce que les deux présidents, c'est-à-dire lui et Thau Rolland, comment c'est fini, je ne connais pas comment ça s'est passé. Mais ce que je sais, que j'ai voté là-bas et que je ne suis pas venu voter ici, ce n'est pas que je prends l'autre en considération plus que l'autre. Parce que tu vois, c'est pas ce qu'on veut atteindre. Je suis venu ici, pour moi, ce n'est pas la personne comme je le disais, ce n'est pas venu leadership, mais c'est que c'est le règne des lois et la moralité, tu vois. Donc, je suis venu pour dire que ce qui s'est passé, parce qu'après, j'ai appris ce qui s'est passé. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pour ça que je suis venu. Le problème, ce n'est pas de me mettre nu, pourquoi j'ai voté si je ne suis pas venu là. Je veux qu'on batte ensemble. Il n'y a rien d'impossible. C'est nous qui avons été tués. Donc, moi, ma question, c'est là. Ma question, c'est là. Ma question, c'est là. Donc, voilà un peu. Moi-même, j'ai été pris, pour vous, plus petite parenthèse, j'ai été prise à partie par Rolland. Quand j'étais chez Paris, avec les Elton, les groupes gens qui sont venus, c'est lui, les deux frères. Et tu m'as demandé, mais qu'est-ce qu'il fait lui au juste? Parce qu'en fait, j'étais traité par les gens d'ici, les gens de là, comme chez moi. Moi, je suis un coordinateur. Donc, je suis venu lui dire, par rapport au civil d'ailleurs, il a mauvaise présentation, lui, Rolland, le civil de version. Michel, moi, je suis avec la version de Michel. Ce sont eux qui m'ont invité, donc c'est ce que je reconnais. Donc, moi j'ai dit à Rolland que tu étais un collaborateur nazi. Donc, les gens te traitent là-bas comme tu es un collaborateur. J'ai dit en public, moi je ne cache pas mes choses. Donc, c'était pour lui ramener là-bas dans le camp. Et bon, mais il s'est expliqué, je ne sais pas, la situation qu'il fallait. Et qu'en étant nu, il fallait déjà composer avec les gens. Donc, là, ce n'est pas être collaborateur. Donc, moi je l'ai écouté. Donc, je veux que. Qui ne sont pas des ennemis. On se met ensemble et on s'écoute. Moi, j'ai fini par lui dire et il a fini par me comprendre. Et en venant, je le dis, je vais parler avec les gens de Bologna et les gens de Milan-Roumanie. Moi, ils m'ont appelé, je vais répondre à leur invitation. J'ai été clair comme ça. Donc, moi, je ne cache rien. J'ai déjà travaillé dans ce domaine aussi, j'ai des expériences. C'est parce que on a du mal à partir. Et comme l'autre a dit, il fallait un apport. Donc cet apport-là, aujourd'hui, s'il y a des Italiens qui sont partout, qui veulent donner les sous, il ne faudrait pas que le secrétaire de l'Afrique, moi je suis le président des temps, je suis le président des temps. C'est très attention. C'est très attention. Donc je sais de quoi je parle. J'ai déjà eu aussi une expérience en matière de coordination, en matière de jumelage dans ce genre de choses. Donc, faites très attention. C'est parce qu'on est parti de deux voies en Côte d'Ivoire qu'on est sorti dans cette situation. On a été tués. On doit se mettre au fusil de tout ça. Merci beaucoup, Thomas. Bon, ça, c'est la toute dernière question concernant. Moi, c'est Gilles Le futur maire de Bologne. Bravo. Bon, en fait, je remercie le frère Thomas d'être là cet après-midi. Et ça me fait vraiment plaisir. Parce que. Comme je le disais aux femmes tout à l'heure, son intervention, c'est pas que. Parce que souvent, vous savez, on peut avoir des opinions divergentes sur un problème donné. Mais avant tout, on est des frères, on reste des frères. Moi, Rolland, c'est mon ami. Hein. Je suis plus ami que lui. Je suis plus ami à lui que la plupart d'entre vous ici. Ça fait, je pense bien, depuis 2002 par là, qu'on est amis. Tu vois. Et c'est à cause de moi-même qu'il est resté à Bologne. Mais pour revenir à sa préoccupation, tout à l'heure je lui parlais du respect des règles. Si moi, qui suis tout le temps derrière Rolland, si aujourd'hui je lui ai tourné le dos, c'est parce qu'il est arrivé un moment où
je vois que quand tu parles à quelqu'un, tu parles, qu'il n'écoute pas. C'est vrai qu'il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas là aujourd'hui. D'aucuns diront que non, il n'est pas là, tu parles d'abord. Mais il faut qu'on dise certaines choses. Parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Roland que moi. Je vous le dis. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que Roland mieux que moi. Alors, pour dire que cette histoire d'association, vous vous rappelez, quand durant les élections, je suis venu. Mais quand je suis venu, vous vous rappelez comment je suis intervenu. Pour essayer de. Le même discours qu'il a tenu, je l'ai tenu. Pour qu'on ait quand même. Pour ne pas qu'il y ait cette scission. Mais vous savez, moi je vis dans la même ville qu'eux. Vous ne savez même pas. Je vous ai jamais dit certaines choses. Les grands frères avec qui on est à Bologne là-bas. En plus, combien de fois je les ai insultés. Je ne dis pas, c'est pas que. Je les ai insultés. Parce que j'en avais marre. On s'est retrouvés à quatre comme ça. Je leur ai fait les mêmes reproches. Au moins 4-5 fois. Le tonton qui n'a pas de voix, souvent il demande, mais JB il est où? Pourquoi vous venez dans les trucs et puis on ne voit jamais JB? Et tous disent que non, on ne sait pas où JB, on n'a pas son numéro. Vous voyez? Les histoires de même, vous te souviens, j'en avais parlé une fois, bon, mais les histoires, ben, informer les gens, quand il est. Tu vois, tous ces problèmes, tout le temps. Il dit, mon petit, je n'avais pas ton numéro. Et je lui ai dit, mon grand frère, supposons que tu aies entendu que j'ai gagné au Super à l'autre, tu es sûr que tu n'avais pas trouvé mon numéro et la première année. Bon, vous voyez, c'est des choses, moi je me dis, c'est ben Robert a un immense ouais. Et je vous dis une chose, dans cette vie-là, il ne faut même pas rabaisser. Ton prochain évite de le rabaisser. Les frères, souvent, peut-être qu'ils ne me connaissent pas, mais quand je suis avec eux, je suis le genre de personne, quand quelqu'un est plus âgé que moi, je me mets en bas de lui, hein, je ris, je plaisante. Mais ailleurs, je suis une autre personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un moment, moi je connais Roland mieux que quiconque ici. Il sait de quoi je parle. Le problème, c'est que c'est des choses. La situation s'applique, c'est clair. Non, mais c'est à côté de la grosse.